Plop, les gens, ici Zikino, de retour sur Bad Boy. Ça fait 3 jours que j'ai pas joué, je me souviens plus de rien. Non, j'exagère. Donc toujours sur Bad Boy, on avait avancé, on avait fait les 4 premiers niveaux. Donc on part tout de suite dans les mines en fusion. Quelque chose me dit que ce n'est pas de la soupe à la tomate, ça. Comment on les touche, c'est ça. Ok. Non. Ouh là, effectivement. C'est pas de la soupe. Oh, il y a du... C'est du football américain, je viens de voir les... Ah, maintenant, il y a les ballons, là. Vous savez, le football qui se joue plus avec les mains qu'avec les pieds. En fait, j'aurais dû l'utiliser pour monter. Attendez, c'était quand? Non. Voilà. Ça permet de se rappeler les touches. Tac. J'aurais pu ne pas mourir si j'avais utilisé le dash comme il faut, mais je ne l'ai pas fait. Ah, c'est ça que j'avais loupé dans le dernier niveau. J'ai un peu envie de dire qu'il y a quelque chose de caché sous le bloc qui se lève, mais je pense que c'est juste une plateforme. Non, c'est une plateforme à sens unique pour pas qu'on puisse redescendre. Très bien. Voilà. On y va en mode platformer en prenant tous les sous qu'on peut. Et oui. Ah oui, je suis ça. On va se réhabituer rapidement au contrôle. Au fait qu'on s'en fout en général de tuer les ennemis. Et j'ai fait n'importe quoi, je sais pas si j'ai pas moins de vie que la première fois. Ah non, j'en avais récupéré ici. Très bien. Alors voyons.
Ah, il me reste plus qu'un PV. Il faut faire gaffe. Dis-je en sautant dans la lave sans avoir fait gaffe au rythme. Est-ce qu'il peut me toucher? Ou est-ce que c'est juste une salle pour me dire regarde les prochains ennemis, ils sortent de la lave, la lave n'est plus safe à présent. Un gondolier squelette? Mais c'est romantique. Ah, ça fait surtout le passeur d'âme, mais à part ça... Ouais, on va dire que c'est romantique à part ça. Passons par en bas. On va voir, ça va très mal se passer tout ça. Oh, je l'ai pas vu, je regardais mes PV. Et l'ennemi il est arrivé juste à ce moment-là. Bon, mais vu que j'ai fait mon avare toute la première fois. Plus qu'à gérer les ennemis. J'ai perdu de PV pour rien du coup. Oh là là. Je voulais tirer vers le haut, mais j'ai fait nimp. C'est un auto-scroller, c'est pas rapide. C'est un autoscroller. Oh, pour le commun des mortels, c'est un autoscroller. Oh. Sûr que pour les speedrunners, ils vont savoir ici je saute sur tel ennemi, ici je saute sur tel autre ennemi. Ici je prends des dégâts volontiers. Aller le plus vite possible. Le speedrunner quoi. Ça me paraît un peu haut comme ça. C'est marrant, mais vu que la lave elle va pas jusqu'en bas, ça donne l'impression qu'il y a quelque chose en fait.
Apparemment non. J'ai pris un PV en sautant dans le vide. Pas dans la lave. Oui, un truc que j'ai pas précisé du coup depuis que j'ai repris la vidéo en tout cas. C'est que... Oh non. Le jeu a eu un patch déjà. Je crois qu'on est en 1.06, 1.06. Et parmi les nouveautés, ils ont rendu plus facile le fait de rebondir sur le... sur cette attaque là quand elle revient. C'est pour ça que vous me voyez sauter à chaque fois que je rattrape la batte, alors qu'avant non, ou j'en avais pas le souvenir. Je viens de regarder le la cuisse de poulet, c'est un cœur. C'est assez loin. Que ça allait me faire ressauter direct. Et on attend le prochain wagon. Sur les wagons, ok. Je suppose qu'il nous écrase, mais on peut monter. Je ne sais pas qui bosse dans cette mine, mais il mérite une augmentation. Ouais, il nous écrase. Oula. Et difficile de se rattraper. Alors, faut bien faire gaffe au sol, sachant que des fois faut faire gaffe au trou, des fois faut faire gaffe. Tableau pas facile, il y a beaucoup de choses. Mince. Ouais, vraiment pas facile le niveau. Hein. Après, il me semble que tous les stages, tous les niveaux ont un tableau qui est vachement dur maintenant que j'essaie de m'en rappeler. Hop. Non, ok, je me suis pris le... Je vais écraser en montant. Encore une fois.
Ben voilà. Sans perdre un seul PV. On prend son temps et... Et qu'on prend son temps et qu'on prend le temps de réfléchir. Faire passer un autre scroller encore facilement, ben on se met safe sur le truc du cochon là-haut. C'est pas si compliqué, c'est pas là où il y a tous les sous. Pas tous les sous ni la fraise verte, la cerise verte. Par quel côté on passe là? J'ai l'impression qu'il y a des... Ouais, là c'est bloqué. Ah bah voilà, c'est par là qu'on passait. Il semble bien qu'ici c'était un mur. Ok, maintenant il va y avoir un requin cochon. Chien cochon, je sais pas. J'ai entendu parler de ce requin au grand nez, mais c'est des foutaises. Comment ça, c'est des foutaises? Non, c'était pas la bonne run. C'est pas la bonne tentative. On va essayer de gagner une pièce, voilà. Ah, c'est une montagne d'or qui tombe. Lui, il me donne pas de sous, d'accord. Ah, suite. Et oui, le requin, un chien, je sais pas quoi là. Cochon, on ne vit pas. Oh là là. Si facilement, mais je n'étais pas dans le bon rythme. Non, pas dans le bon rythme.
Tac. Hop là. Aïe. Il y avait un coffre là-haut là. Ces espèces de tuyaux de Mario marron, c'est des coffres en fait. Mince. Et j'aurais pu gagner de l'énergie et du. Et de la vie. Oh là là. Oh non, j'ai cliqué un poil trop tard, mais j'ai cliqué. Que quand on est en l'air. On a cette attaque, elle dure relativement longtemps. Pas besoin d'être hyper précis. J'ai l'impression qu'il faut tout détruire ou passer par au-dessus. Mais je me dis que si on détruit tout, c'est là qu'on doit avoir un petit bonus. Il n'y avait pas de bonus là-dedans. Mince, mince, mince. Et j'ai plus qu'un PV. Là. Hop. Hop. Ouais, je vais essayer de juste rester en haut, ça sera plus safe.
Maintenant que j'ai détruit tout le log, je vois qu'il n'y avait rien dedans. Alors à moins qu'il y avait un truc du genre détruire tous les blocs blancs de tout ce tableau. En comptant les blocs suivants là-bas. À la prochaine salle. Oui. On est donc contre Mr. Blitzer. Quoi? Monsieur Blitzer, je savais que je te retrouverais. Ah ah, bravo Bad Boy, c'est bien moi, grand Blitzer. Et je suppose que sa Blitzerté ne va pas nous suivre gentiment. Je n'irai nulle part, insecte. Je m'entraîne. Monsieur Blitzer, et si je te disais qu'il y a un vilain mage noir qui t'a lavé le cerveau? Valer le cerve, serre-la, lever. Doucement, réfléchis pas trop, tu vas te faire mal. Tu te moques de moi, tête de piaf. Je vais te plumer. Ne me touche pas les plumes avec tes gros doigts tout gras. Quoi? Calme-toi, Joe. Ça sert à rien de se battre. Mon ami, non? Tu as raison. Et en tant qu'ami, je me dois de te dire que tu refoules. Ah, je vais surprendre. Ok, il y a des petites flèches qui nous indiquent de où à où il va. Oh, yeah, yeah. Il va vite, hein. Il va vite, les petites flèches en rouge sur fond violet, noir, rouge, bon. Évident. Il a deux patterns, mais pas évident. Ah, oh, mais maintenant il m'en envoie tout le temps, c'est tout. Voilà. Oh, je me suis pris un dégât en plus. Allez, dernier coup. Et phase 2. Première fois, je crois que j'atteins pas la phase 2 du premier coup. Je pensais pouvoir réussir un touchdown. C'est pas un jeu, Joe. Et là, tu te trompes, Bad Boy. Laisse-moi te raconter une histoire. Un jour, pendant un match, nous étions en train de perdre la partie. J'ai chargé mon adversaire si violemment qu'il a vu double. Surpassé par le double de joueurs, ils ont fini par perdre. Et ça n'a absolument aucun sens. Tu crois ça,
Pigeon. Alors explique-moi ça. Ouvre bien tes oreilles. Il va falloir voir si les... on peut faire du dégât aux deux ou juste à un. Ça veut dire qu'on aura le pouvoir de se dédoubler. J'ai un peu du mal à voir l'utilité ou. Mais pour moi aussi, du coup, c'est la mouise. Le verre n'a pas l'air de l'avoir fait le moindre dégât. C'est ça, c'est que le rose a touché. Mais du coup, vu qu'on en a 200 en même temps. J'avais oublié ça. Ça m'aurait bien servi pendant la traversée de la lave. Et là, quand je me fais charger. Mince. Je crois que j'ai réussi à lui enlever les deux balles. D'un coup. Tant qu'ils inversent, ça m'arrange. Tant qu'ils inversent en bas en fait. C'est compliqué. Ah, j'ai pas trouvé le monsieur qui vend des cerises dorées. Fraises dorées. Non, faut que... Ah si, comment ça... pour le moment ça marche moins bien, mais c'est parce qu'on s'habitue à une nouvelle technique, c'est pour ça. On va dire ça en tout cas. Voilà, ça marche mieux. Ça marche mieux jusqu'à ce que... Jusqu'à ce qu'ils soient deux. Mais quand ils sont deux, j'ai l'impression qu'ils tirent jamais leur ballon. Leur ballon par rond. Thank you.
C'est quand même vachement mieux comme ça. Par contre, ouais, non, je... Je me perds. En bas. Je me perds quand ils sont deux. Bug de son. Déjà quand il est tout seul, je fais pas assez gaffe de quel côté il va aller. Une autre technique, c'est peut-être de mettre la batte ici. C'est pas si mal de mettre la batte au milieu comme ça à chaque fois qu'il monte ou qu'il descend. Il faut un peu bien la caler, mais j'ai plus qu'à regarder esquiver normalement. Que je tire là où je pense qu'il va être. Enfin, là où il allait se cacher. Comme ça, ça me fait au moins sur les quatre choses à repérer, il y en a au moins une que je suis bien. Ou alors je me reste au milieu, mais voilà. Au milieu, le problème c'est que le vert il rend le truc bien plus complexe. Allez, bim. Qu'il était passé par là, le vert.
Et où le viewer? Il remonte. Le verre vaut mieux. En fait, c'est ça. Fallait se focaliser sur un côté. Se souvenir de quel côté ils étaient rentrés, de quel côté du coup ils allaient ressortir et voir les flèches. Et mettre la batte là où il y a le violet et esquiver les deux autres endroits. Esquiver là où les deux passent. Toi, c'est toi, Bat Boy. Cette odeur de soufre, cette lave, ce n'était pas un cauchemar? Si seulement. Comment tu te sens, Joe? J'ai l'impression d'avoir pris un coup de batte sur la tête. Merci, Bat Boy. Content que tu sois revenu à la normale. Je peux te demander un truc? Même deux, si tu veux. Ton bull rush était super rapide. Tu pourrais m'apprendre ta technique? Ah ah. Et que Bitzer qui peut faire un bull rush. Mais je peux te montrer les bases. Ou alors, on va juste apprendre à dasher au sol. Appuie sur bas et droite quand tu es au sol pour faire je sais pas. Ah oui! Tu peux aussi sauter pendant le bull rush. Ça n'a pas l'air évident. Ça n'a point l'air. Il y a beaucoup d'inertie, vu qu'on va vite. On va se mettre là déjà. Le bull rush peut te servir à franchir des grands trous. Ce n'est rien sans contrôle. Non, ne tombe pas dans la plateforme. Qu'est-ce qui peut monter ? Ah, c'est un certain temps. Fantastique ! Tu as fait un quarterback parfait. Tu ferais peut-être. Et ceci conclut du coup notre épisode sur les mines en fusion, l'épisode 5. Prochain épisode, ça sera au Cap 18. Je suppose que c'est comme ça qu'on va le dire. J'espère que la vidéo vous a plu, que le let's play vous plaît. Et à très vite.